Lightness DJ. Man, ninja boo. So, my leg. Like a moment of the corpus to condena. Man, Roma, like a notable son of Gapara. It's a mood of the condena. Man, like a. Oliver. What's a moment of the condena? Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être dans le programme de Action Africa TV Show. Je suis Abdou Baki Boukari, le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir dans notre émission M. Chamsidine Adjaye depuis l'Allemagne, dans le studio virtuel de Bronsnet. À cette émission, M. Chamsidine nous parlera de son expérience en tant qu'immigrant en Allemagne, de COVID-19 et bien évidemment de la culture des protocoles du Togo. Bon, avant de commencer, M. Chamsidine, j'aimerais te demander si on peut se tutoyer. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Ok, alors c'est bien. Bon, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs de Action Africa. Moi, mon nom, c'est Chamsidine Adjaye et je suis Togolais vivant en Allemagne. Ah là, c'est bien. Quand est-ce que tu as quitté le Togo pour l'Allemagne? Bon, j'ai quitté le Togo depuis août 2015 pour rejoindre l'Allemagne. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Mm-hmm. Pourquoi tu as décidé de quitter ton pays d'origine pour l'aventure? Ouais, bon, comme toi-même, bon, tu le sais, et puis bon, beaucoup de peut-être de téléspectateurs le savent aussi. Ouais, bon, bon, nous sommes jeunes, et puis bon, on a étudié chez nous. Bon, à un certain moment, bon, on tente, bon, si on étudie ou bien si on fait une formation chez soi, le rêve est c'est de ça. Servir son pays ou bien bon, de travailler pour son pays. Et puis bon, si à un certain moment, bon, l'on ne trouve pas d'opportunité, donc il faut chercher ailleurs. Donc, pour dire c'est la ça. Vérité, c'est la raison pour laquelle, en fait, je me suis décidé d'immigrer vers l'Allemagne. Mmh. Bon, pour la recherche, tu l'as même ailleurs. C'est bien. Ah, c'est bien. Bon, est-ce que tu faisais quelque chose au pays avant de quitter ou bien, bon, c'est-à-dire, est-ce que tu étais étudiant ou bien tu travaillais dans une société? Bon, avant de quitter le pays. Bon, tu étais chômeur. Bon, il faut dire que, bon, tout était mélangé. En fait, moi, j'ai fait le département d'allemand, donc la germanistique. Et puis, en allemand, bon, on dit germanistique. Bon. Et puis, après la licence, j'ai tenté de déposer les dossiers dans, bon, je vais dire dans certains établissements, ça n'a pas marché. Donc, je vais dire, j'étais un chômeur au Togo. Et puis, j'ai tenté même de faire le volontariat dans un lycée, bon, à Lomé. J'ai commencé là-bas, je pense, 3 à 4 mois. Bon, j'ai fait le volontariat là-bas, j'ai aidé dans un établissement privé à Lomé. Et puis, bon, c'est là, c'est ce que je faisais à Lomé. Et puis, j'aidais aussi. Donc, il faut dire que j'accompagnais aussi les frères qui allaient sur les chantiers en tant qu'étudiant ou bien en tant que chômeur. Comme tout le voilà. Donc, en grosso modo, c'est ce que je faisais au Togo. Voilà. C'est ça. Là, c'est bien. Bon, que fais-tu actuellement en Allemagne? Oui, bon, comme tu le sais, grand frère, bon, quand on vient ou bien on laisse son pays pour venir chez les autres, il faut vraiment s'intégrer. Et bon, moi je suis venu, j'ai fait bon, l'allemand au Togo. Donc, ce qui veut dire que une fois en Allemagne où on parle que, bon, je vais dire l'allemand et l'anglais peut-être. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas chercher d'autres choses que faire que de continuer dans le germanisme. Donc, je me suis engagé dans une formation. Donc, j'ai fait la formation dans l'assistance des personnes âgées.
Et puis, je me suis spécialisé dans la gérontologie. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, la formation, bon, je l'ai fait pendant 3 années. Donc, j'ai fini depuis 2018. Bon, fin 2018, début 2019. Et puis, bon, j'ai commencé par travailler. Merci beaucoup. Ah, c'est bien, c'est bien. Mm-hmm. Bon, moi-même, je suis dans l'aventure. Et puis, voilà. Que ce n'est pas du tout facile. De quitter son pays d'origine, quitter ses parents, voilà. Et aller vivre ailleurs, quoi. Ce n'est pas du tout facile. Bon, je ne sais pas, j'aimerais savoir l'intégration en Allemagne. C'est comment? Ouais, bon, en tout cas, quand on parle de l'immigration, le fait d'être à l'étranger, donc il faut vraiment parler de l'intégration, et surtout en Allemagne où l'intégration est vraiment une chose très capitale pour pouvoir se sentir, je vais dire, à l'aise. Parce que, bon, moi, de mon côté, l'intégration, en fait, c'est la langue d'abord. C'est quand ça. Tu viens quelque part et puis tu maîtrises la langue du milieu, bon, l'intégration commence déjà là-bas. Bon, en fait, comme tout étranger, l'intégration n'est pas, ou bien ça n'a pas été facile, ou bien ça n'est pas facile parce que je suis toujours dans le processus de l'intégration. Donc, ce n'est pas facile, mais tant que l'on arrive à parler la langue du milieu, je vais dire que ça va mieux, même si ce n'est pas facile, mais je vais dire ça va, parce que bon, le fait de pouvoir venir en Allemagne, bon, chercher à suivre une formation, bien faire une formation, finir cette formation et commencer par travailler, moi je pense que si nous voulons vraiment parler de l'intégration, c'est déjà un grand pas pour l'intégration. Donc, si je comprends bien, tu te sens à l'aise à l'heure actuelle, tu parles bien la langue et puis tu es bien intégré, tu travailles, tu es à l'aise. Oh. Bon, je vais dire, je suis à l'aise, plus ou moins, même, plus ou moins à l'aise, même si bon, cela n'est pas à 100%, mais je vais dire, ça va mieux, ça va. D'accord, c'est bien. Donc, tu espères un jour retourner dans ton pays travailler, définitivement, ou bien tu comptes faire les vibes bien comme ce que nous. Actuellement. Bon, pour le moment, nous on est encore jeunes, je vais dire. Et puis, bon, la formation ou bien les objectifs que je me suis assigné au début ou bien après la formation, je voulais dire que il faut vraiment, une fois à l'étranger, acquérir beaucoup d'expérience parce que, bon, les formations dans lesquelles nous on s'est engagé, on n'a pas encore ça vers chez nous. C'est donc, je voulais vraiment acquérir beaucoup d'expérience ici. En Allemagne, et puis pourquoi pas un jour, si vraiment l'occasion me le permettait, pourquoi ne pas retourner chez soi et peut-être essayer de faire des structures comme ça pour participer au développement de au développement du pays. Donc, vraiment, mais pour le moment, je reste encore ici. Ah bon? Ah là, c'est bien, je vois. C'est vrai. Et puis moi, ce qui m'impressionne dans ton développement, c'est que quand tu es arrivé, bon, tu n'étais pas donné seulement au petit boulot. Mmh. Là, tu fais, tu vas à l'école et autres. Est-ce que tu peux me dire dans quelle filière tu es actuellement? Bon, en fait, actuellement, plus précisément, je suis dans une maison de retraite des personnes âgées. C'est et ça. Là, bon, on se spécialise au niveau, bon, on leur donne des médicaments, c'est-à-dire on leur porte assistance la plus possible. Ouais. Donc, sinon, le domaine le plus précis, bon, ici, il y a les centres où, bon, je vais dire les personnes âgées ou bien les personnes que nous, on appelle chez vous, chez nous, les fous, je vais dire. Ouais. Ici, ils sont regroupés dans des centres. Dans des centres de santé. Ils sont pleins ici. Voilà. Ouais. Donc, en réalité, c'est là, bon, donc, la gérontologie ou bien la gérontopsychiatrie. Donc, en réalité, c'est les domaines. Mais actuellement, parce qu'après cette formation, l'on a la possibilité de se spécialiser ou bien de choisir là où l'on veut travailler. Donc, moi, j'ai choisi pour le moment d'être au niveau des personnes âgées, donc pour leur apporter l'assistance médicale, des soins, donc leur accompagner dans leurs besoins nécessaires, quoi. Donc, c'est ça pour le moment, c'est ce que je fais. Ah, là, c'est très bien, là, c'est très bien. Bon, maintenant, parlons un peu de COVID-19. Comment chez vous là-bas en Allemagne? Est-ce que les cas sont en train de grimper ou bien bon, vous êtes au niveau du déconfinement, les gens ont repris les activités? Bon, il faut nous parler un peu de ce qui se passe chez vous là-bas.
Bon, pour le moment, COVID, comme en fait, la COVID, peut-être maintenant on dit la COVID. En Allemagne, bon, je vais dire que on n'est pas encore totalement dans le déconfinement, mais bon, la vie, ça Arrêtez reprend peu à peu. progressivement. Que non. Donc, progressivement, on remarque qu'on revient, je vais dire, à la normale, mais pas totalement. C'est ça. Là, c'est Sinon, bon. bon, concernant les nombres ou bien les chiffres, bon, je pense que actuellement en Allemagne, ça Ouais, les cas c'est, sont en train de ouais, les diminuer. cas sont en train d'être diminués, donc c'est ça. Et l'hospitalisation et puis les décès aussi, ça a beaucoup chuté ou bien. Ça a chuté de toutes les façons, globalement. Sinon, bon, de notre milieu ici, bon, moi je suis dans la région, bon, nous on appelle ça en allemand, NRV. Dans C'est la ça. Rhénanie du Nord-Westphalie en français. OK. Dans cette région, il y avait pas eu vraiment beaucoup de monde comme au sud de l'Allemagne. C'est ça. Sinon, actuellement, chez nous, c'est seulement, je vais dire, les mesures de barrière et puis, bon, ce qu'on appelle les cache-nez, on est obligé, si tu veux rentrer, bon, dans un restaurant ou bien dans des Voilà, dans les supermarchés, au magasins, restaurant, dans voilà. les magasins, donc c'est ça à peu près. OK, Donc, alors c'est bien. Je sais aussi que tu suis l'évolution de COVID dans ton pays d'origine. Bon, Ouais, le moi, Togo. ce qui est un peu bizarre chez nous, c'est au moment où les cas sont en train de grimper, c'est à ce moment que les décideurs africains ont décidé de déconfiner. Tu vois un Oui. peu? Bon, si Ouais, on prend les cas du Togo, actuellement, ils sont à 495 cas, quand ouais. j'ai consulté hier avec 13 décès. Bon, et puis tard dans la nuit, j'ai eu un message d'un frère. Bon, ils ont même parlé à la TBT et il a réussi comme on va. Comme quoi, les bouclages et autres là qu'ils ont fait pour maintenir et le couvre-feu. Le couvre-feu, oui. Donc tout a été levé. Qu'est-ce que tu penses de leur décision? Est-ce que c'est une bonne décision? C'est le moment de faire tout ça là? Bon, en fait, moi personnellement parlant, le fait même qu'il y avait eu, je vais dire, bon, des commissions de gestion de cette crise au Togo, cela voudrait dire que le gouvernement togolais avait pris des mesures pour gérer la crise. C'est C'est ça. vraiment une décision ou bien des mesures sanitaires. Il faut vraiment saluer le gouvernement. Concernant la levée bon, je vais dire du couvre-feu, là je suis personnellement aussi d'accord parce que bon, de toutes les façons, quand j'ai reçu ce message de ce que tu parlais tout à l'heure, j'ai vu que maintenant le port des casques est obligatoire. C'est seulement le couvre-feu qui a été, je vais dire, supprimé. En tout cas, la décision n'est pas mal ou bien c'est vraiment une décision salutaire. C'est ça. Mais ce qui est un peu marrant, chez les autres en Europe ou bien ici, là, les gens ont laissé, ils ont atteint le pic. Et quand la courbe a commencé par chuter, c'est à ce moment que les gens ont commencé par déconfiner. Mais chez nous, bizarrement, on fait l'inverse, quoi. C'est ce que je ne Bon, comprends pas. oui, Ou bien bon, pour le moment, bon, peut-être c'est pour dire que, bon, à mon avis personnel, hein, il se pourrait que selon eux, ce sont des Ils nombres sont atteint leur pic. gravissimes. Voilà. Donc là où le déconfinement et dans la gestion de cette crise, ce qui est très important, et puis il faut les noter que, bon, moi j'ai remarqué personnellement que c'est comme le Togo est en train de, ou bien, bon, l'Afrique francophone est en train de L'Afrique parle copier des la pays France. africains. Ils copient la France. Voilà, C'est donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. voilà, Parce que quand la voilà. France confine, on confine. Oh, c'est Donc, pas facile. Bon, c'est ça. actuellement, on me fait signe que il est l'heure de la pub. Donc, OK. on va aller et puis on revient dans peu de temps pour OK. continuer notre émission. OK. Donc, à tout à l'heure de la pub. Yo